tous en forme. Tout de suite, on en fait tout un plat avec le département de la Moselle. Aujourd'hui, nous sommes dans un centre médico-social. Nous allons en savoir plus sur l'IMC. IMC, comprenez indice de masse corporelle. Trop maigre, trop gros, l'appréciation est bien souvent une affaire de mode et d'impression personnelle. Cet indice, c'est quoi au juste ? L'indice de masse corporelle calcule la différence entre la masse graisseuse et la masse musculaire. Est-il fiable ? Bien sûr, l'indice de masse corporelle se calcule depuis 10 ans. C'est un repère efficace à tous les âges de la vie. Alors voyons maintenant comment calculer votre IMC. Regardez plutôt. Alors, le principe est simple, vous devez connaître deux choses. Votre poids, votre taille. Comment le calculer, cet indice de masse corporelle ? Votre poids, vous allez le diviser par votre taille au carré, c'est-à-dire la taille multipliée par la taille. Et ainsi, vous allez connaître votre indice de masse corporelle. Alors, on obtient un chiffre, à quoi correspond-il ? L'indice de masse corporelle est un repère qui se situe sur une courbe. Pour l'exemple de Paul, à 7 ans, il a un indice de 17 qui se situe bien dans la courbe, juste au-dessus de la moyenne. Il n'a ni problème de surpoids, ni problème d'obésité. Pourquoi faire ce calcul ? L'indice de masse corporelle permet de prévenir les maladies liées au surpoids, à l'obésité et à l'insuffisance pondérale. C'est un sociologue physicien belge Kettler qui a mis en place cet indice de masse corporelle. Alors, le look est une chose, mais la santé en est une autre. Cet indice, est-ce qu'il est valable pour tous ? Bien sûr, à tous les âges de la vie, dès la première année, toute la période de l'enfance et à l'âge adulte, à l'exception des femmes enceintes et du sportif de haut niveau. Il faut noter que l'IMC est même demandé dans certains contrats d'assurance. Vous dépensez chaque jour de l'énergie pour réfléchir, marcher, digérer. La quantité consommée dépend de plusieurs facteurs. L'âge, le poids, on vient de l'évoquer, et l'activité physique. Alors plus d'excuses, vous savez maintenant calculer votre IMC. Alors bonne forme et bonne santé à tous. Et n'oubliez pas, conseil recette, www.france3.fr. Tous en forme. C'était On en fait tout un plat avec le département de la Moselle.